Bonjour monsieur. Bonjour. C'est la sauce béarnaise. La sauce quoi? Béarnaise. Béarnaise, oui la monsieur. Lilande. Alors. Oui. Arrête de filmer moi, c'est la sauce qu'il faut filmer, t'es con quoi? D'accord, oui. Bon, là, les œufs. Les œufs jaunes. Oui. Les jaunes d'œufs. Oui. Là, le bouillon. Oui. Tiédi. Tu mets pas la coquille des œufs, non? Non, je mets pas les coquilles, tais-toi. Le blanc non plus. Ça, c'est le bouillon, c'est le bouillon échalote. Bouillon échalote. Estragon. Qu'est-ce que j'ai mis? Je sais plus. Du vinaigre blanc. C'est pas de la cuisine, ça. Tais-toi. Tais-toi, on te va tout, hein. C'est de la chimie. Faut fouetter un peu doux. Ah oui, ça me rappelle ma grand-mère, quand elle faisait des œufs au lait. Je la trouve qu'elle a foiré, hein. Et après, tu passes ça au four, hein? Non. T'as mis du sucre? Tais-toi. Alors, on fait une pause maintenant, c'est ça? Là, il y a l'estragon, non? C'est parti? Eh oui, à feu doux. Tu fais quoi alors, là, maintenant? Là, je vais réchauffer l'appareil. L'appareil? Sabayon, ça s'appelle. Comme un sabayon. D'accord, ok. Il y a le beurre clarifié, là. Le beurre clarifié. Eh oui, c'est le beurre clarifié. Compliqué, ton affaire. Ah oui, t'as besoin de la recette sur ton téléphone, aussi? Eh oui, là. Ah ouais, tu connais ça pas par cœur, toi? Ben non. Ah, t'as pas fait les beaux-arts? C'est très doux, hein, c'est des jaunes d'œufs, faut pas l'oublier. Ouais. Hein. Si tu le fais cuire, c'est foutu. Là, c'est au bain-marie, dans le nom, presque. Ah, bain-marie, oui. Là, il faudrait le faire au bain-marie. Ah oui, d'accord. Je suis un professionnel, moi. Je surveille ma cuisson. Ah oui, c'est tout. Ah ben, si tu le fais cuire, si tu fais 60 degrés, c'est mort. Ah oui, t'es mort. Voilà. Tu peux la jeter, ta sauce. La béarnaise, c'est pas la béchamel. C'est pas la crème anglaise. Donc là, tu fais quoi? Je fais une salade de doigts. Je me coupe trois doigts, ouais. On la mange en salade. C'est quoi? Les estragons, non? Les estragons, ouais. Ben oui, c'est mieux. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On verra bien ce que ça donnera. Ça va donner que de la merde. Ah, c'est ton beurre fondu qui est là-bas. Hein? Oui. Bon, mesdemoiselles, je vous présente mon neveu. Hein. Tout est effacé parce que tout est foutu. Il voudrait se marier, alors il est en train de vous faire voir comment il sait bien faire la cuisine. Ouais, ben c'est foutu la sauce. Hein? Ça marche pas. Ça n'a pas l'air de s'étonner. Bon, bah écoutez, à ce moment-là, si vous allez faire la cuisine, épousez-le et vous lui apprendrez. Hein? Elle est foirée, la sauce. Oui. Mais, parce que j'essaye quand même de faire quelque chose avec, mais là, j'ai l'impression que je l'ai foirée. Ça n'a rien filmé, ça fait de la pâte. Non, c'est pas ça. Du curry. Curry. Sauce curry. Sauce curry. Ah, faut mettre du curry. Hein. Là, le curry, il y a du curry. Ça sent bon la sauce curry. Avec la bonne mayonnaise. Voilà, cocktail, curry, béarnaise arrive. Des frites maison. Ouais. Allez. C'est sûr que c'est pas des frites Leclerc. Voilà, on va pas dire. Voilà, les frites, la béarnaise. Tu sais quoi la fois, toi? Eh oui, c'est comme ça, il faut être polyvalent. T'es un pro, hein? Ben oui, c'est pas les couillons ça. Hein. Mets pas les doigts dedans, hein, ça brûle. Le couillon de la laine. Hein. Couillon. Allez. Ça va retourner. Hé, mesdemoiselles, n'allez plus sur les réseaux sociaux. Faut trouver un homme, appelez-moi. Moi, j'ai tout ce qu'il vous pose sous la main. L'estragon. L'estragon. C'est chelou sur le béarnaise quand même. Et tu mets du persil aussi là-dedans? Là j'ai mis le persil et l'estragon, les deux là. Ah les deux là. D'accord. Les herbes. C'est pour ça que ça devient un peu vert. Voilà. D'accord. Mais elle n'est pas assez épaisse, donc on va voir en refroidissant. Ah elles sont belles les frites. Hein, ah ça. Les frites maison. Ça c'est des belles frites maison de chez Leclerc. Ah ouais, chez Inter. À Inter, c'est la même chose. Ils ont les mêmes fournisseurs. Ouais. Même couleur de frites. Bien, eh bien, nous allons passer aux choses sérieuses. Hein? Paparazzi. Donc, un petit Côte du Rhône, non, c'est quoi? Côte de Beaune. Bourgogne. Côte de Beaune. Alors, Côte de Beaune. Côte de Beaune. En entrée, champignons à la grecque. Et ensuite, après, on passe à la fondue bourguignonne. Avec des super frites. Et les super sauces mayonnaise maison de votre future fiancée. Voilà.